J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. Bah, t'es fou. Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Hein. Ah, un pour toi, un pour moi. Voilà. Mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Et il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà. Geste mesuré. On garde le sens de la mesure. Et oui, car la modération est la clé de voûte de la minceur, bien entendu. Ah, par contre, on peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, hein. Sinon, l'indigestion peut vous guetter. Voilà. Mais voilà, je me pose une question, ma chère Bernarde. Combien de temps de cuisson pour tout ça? Eh bien, ma chère Didier, environ 10 minutes. Mais alors, comment faire patienter nos téléspectateurs? Eh bien, je crois que nous allons déguster ce magnifique gâteau qui n'attend que cela depuis tout à l'heure. Surtout avant les lardons, ça semblait logique. Hop. Oh, très peu, ami, très peu. Voilà. Et manger à heure régulière, très important. Très important, et il faut mâcher, parce que la mastication régule... La sécrétion des sucs gastriques. Absolument. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de pain, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Oh, avais-je la tête? Les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Oh. Ah, la tête. Un peu de laitage, Bernard. C'est bon pour la santé. Ouh, très peu, très peu. Il faut comme être ceci. Très vigilant. Oui, comme ceci, pas plus. Pas plus. Voilà. Voilà. Très vigilant sur les fromages. Merci. Et voilà les douceurs. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau. Voilà. Je dédie ce frugal repas à celle sans qui ma vie ne serait qu'une souffrance à la dérive. J'ai nommé la volonté. Oh, joli, cher beau-frère. Et vive la volonté! Vive la volonté!